Vanina, qu'est-ce que vous exprimez en chantant le tango? Le tango te fait toujours vibrer de l'intérieur. On ne peut pas chanter le tango sans que rien ne se passe, sans ressentir les paroles. C'est une interprétation courte de 3 minutes pendant laquelle on est entièrement dans l'histoire que l'on doit transmettre. Mais c'est de la passion, c'est de la tristesse. Qu'est-ce qui caractérise l'âme du tango? Passion, tristesse, nostalgie. La plupart du temps, les paroles sont positives et non négatives. La passion et l'amour sont toujours présents dans l'interprétation que l'on en fait. Il y a un langage du corps, il y a de l'alphabet. Quand on voit les danseurs comme ça se répondre, on a l'impression qu'ils se parlent entre eux avec le corps. Exactement. C'est un langage dans lequel 3 éléments principaux communiquent. Le travail des jambes, l'intensité des mouvements et les trempes. C'est ce qui fait la différence avec les autres danses.